2 buts contre 3, c'est le score final du match qui a opposé le Congo au Ghana. Une rencontre de gala jouée à Brazzaville, ce 1er septembre au sein du tout nouveau complexe sportif de Kintele. La première période a tourné à l'avantage des Black Stars du Ghana qui ont réussi à inscrire 2 buts. Les Diables Rouges dominent la deuxième mi-temps. Ils réduisent le score à la 68e minute avant d'égaliser à la 92e. Mais Jordan Ayew, rentré dans le dernier quart d'heure, donne la victoire au Ghana en inscrivant le troisième but de son équipe à la 94e minute. C'est normal qu'on gagne parce qu'on reste une grande nation avec énormément de joueurs de très grande qualité. On voulait déjà faire mieux, même de ne pas perdre, en fait, faire un match nul. Mais bon, il y a un coup de sort qui arrive à la dernière minute et ils marquent leur troisième but. L'équipe du Congo est en reconstruction. Le sélectionneur mise sur la jeunesse pour le rayonnement du football congolais. Mais le Congo devra batailler fort dans sa poule pour disputer la CAN 2017. Pour le deuxième match de poule en Guinée-Bissau samedi, où là ça va être très très dur, ils ont fait match nul en Zambie, il va falloir qu'on soit prêt. Rappelons que le Ghana, leader du groupe H, sera face à son dauphin le Rwanda à Kigali le 5 septembre prochain pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017.